pense que c'est sa toute première fois d'être avec nous dans notre église. Il m'a toujours dit que je viens souvent à Kolosi, mais je n'ai jamais été chez mon doyi. Mon doyi, son doyi, c'est grâce ici, c'est grâce à Bernacle, ici, c'est grâce à Mutombo. Vous voyez? Alors, je pense que. C'est un don que Dieu nous a donné aussi. Nous devons aussi sucer de ce que Dieu a mis en lui. Comme il a concert le vendredi, plutôt le dimanche à Lubumbashi, j'ai insisté à ce qu'il soit avec nous du dimanche. Il n'y avait pas moyen, comme les invitations étaient déjà distribuées. C'est ainsi que nous serons avec lui jusque le vendredi, par la grâce du Seigneur. Alors que nous l'invitons d'avancer déjà, si on peut déjà mener le prédicateur du jour pendant que vous jouez quelque chose afin de l'accueillir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grâce Tabernacle. Ça c'est Magina Tabernacle. J'ai toujours aimé cette église au loin, mais sans l'avoir vue. C'est une bénédiction pour moi de venir ici. Alors je voudrais dire merci au patron de l'univers, notre Seigneur, de nous avoir donné la grâce de venir à Ndoyi Tabernacle. Et je voudrais remercier l'ancien qui est en même temps mon beau-frère. Je connaissais l'ancien depuis des années, depuis un moment. Mais je ne savais pas que son épouse, c'était ma grande sœur.
Mais je savais seulement que y a Charlotte, on l'aime, on l'a épousée par un pasteur qui est à Colosie. Alors, je ne savais pas que le pasteur en question, là, c'est avec lequel on traitait tout le temps. Même quand je suis venu ici, sur son invitation, je suis venu seulement, j'ai un pasteur de Colosie. Et c'est quand j'arrive dans la parcelle, la maman pasteur qui vient de me recevoir à la porte, c'est ma propre grande sœur. Ah, et j'étais vraiment dans la joie. Je lui ai dit hier soir, j'ai dit, mais si je savais que tout ce temps vous étiez beau frère, j'allais vous soumouner, vous bouger. Je lui ai donné des honneurs sans savoir que c'est mon beau-frère. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement. Maman Charlotte nous a vus, nous étions encore des petits-enfants. Maman Charlotte a retourné à Tukingari Batoto. Et pour nous, c'était une grande sœur depuis des années. Et aujourd'hui, elle est une mère pour nous. Elle est la mère de beaucoup ici. Que Dieu la bénisse richement. Depuis que je suis là, elle me traite comme un prince. Je mange le roi de la table à l'air. Ah, qui t'a révélé? Comment tu as su que c'est le roi de la table? Ah, gloire au Seigneur. Je suis déjà venu ici plusieurs fois à Colosie. Mais chaque fois que l'ancien bouffe m'invitait, ça ne marchait pas que je vienne ici. Dieu savait que c'était en 2022 que ça allait marcher. Alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère Grace Mutombo. Je viens seulement tout près ici, à Kinshasa, à Nongoma. Viens pas de l'Europe, je viens seulement à Hanungwema. Alors, c'est là que Dieu vous a donné sublime tabernacle, là-bas. Et nous sommes en train de gérer votre église là par la grâce de Dieu. Alors, nous allons nous tenir debout. Pendant que je continue à vous saluer tous au nom merveilleux de Jésus-Christ. Je vois le visionnaire, le frère David, mon ancien musicien de très très longtemps. Il fait partie de mon premier groupe de musiciens. Et tous les hommes de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Le révérend Nathan, lui est déjà venu au sublime. Il a prêché beaucoup là-bas. C'était merveilleux. C'est un bon prédicateur. Que Dieu vous bénisse. Prenons en Genèse le chapitre 1. Genèse chapitre 1, le verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux l'air s'émance sur la terre. Et cela fut ainsi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Roi et notre Sauveur, alors que tu nous as donné la grâce
de venir ici au Grâce Tabernacle pour que nous puissions apporter la parole. Seigneur, nous n'avons pas honte de le dire devant ton peuple que nous ne maîtrisons rien de ta parole. C'est toi le grand enseignant, c'est toi le grand pasteur. Alors viens, parle, Seigneur Jésus. Nous laissons nos âmes entre tes mains. Brise le pain pour nous. Parle à mon âme et parle à l'âme de mon frère et de ma sœur. Et bénis chaque âme qui dira amen à ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous nous confions à toi. Accorde le Père bien-aimé. Amen. Veuillez vous asseoir. Pendant quand la technique, on me remonte beaucoup le retour ici. Remontez le volume de retour, s'il vous plaît. Si ça peut aussi me regarder ici, c'est mieux. Remontez un peu beaucoup plus de volume, le retour. Alors, la Bible dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Ici, c'est lorsque le Seigneur créait. Ici, c'est pendant la création. Dieu était en train d'appeler toutes choses à l'existence. Comme nous connaissons que la Genèse, c'est le livre du début. Branham l'appelle le livre de la sémence. C'est par ici que toutes choses venaient à l'existence. Alors il pouvait dire que la lumière soit. Il pouvait dire que ceci soit. Et chaque chose était appelée à l'existence selon la pensée ou le mot d'ordre du Seigneur. Amen. Amen. Alors Dieu a appelé toutes choses à l'existence. Que ceci soit. Que la lumière soit. Que les eaux soient. C'est une histoire que nous connaissons en Genèse. Mais maintenant, quand on arrive au verset 11, il y a là le changement de langage. Là, Dieu change sa manière d'appeler les choses à l'existence. Si vous essayez de constater avec moi, vous verrez que le verset 11, Dieu ne dit pas que ceci soit. Mais au verset 11, il dit que la terre produise de la verdure. Sois rapide, mon ami. Que la terre produise de la verdure. Déjà, vous comprenez qu'il y a un changement de langage. Dieu ne dit pas que la verdure soit. De la même manière qu'il avait dit que la lumière soit. Mais ici, il dit que la terre produise de la verdure. En d'autres termes, il veut que quelque chose produise quelque chose. Il dit que la terre puisse produire de la verdure. Il dit de l'herbe portant des semences. Que la terre produise des arbres fruitiers donnant les fruits selon leur espèce. J'aimerais que nous constations une chose. C'est le changement de langage. Dieu ne dit pas que les herbes puissent exister. Mais il dit que l'herbe soit produite par la terre. L'herbe de la terre, ça va faner. Si vous séparez de l'herbe de la terre, l'herbe va mourir. Pourquoi? Parce que l'herbe produit de la terre, provient de la
terre. Dans l'herbe, il y a des matières. Il y a des matières qui sont en mariage avec la terre. Si vous remarquez, mes amis, je veux vous montrer une chose. C'est que c'est la terre qui a produit de l'herbe. C'est la terre qui a produit de l'herbe et de la verdure. Ce qui veut dire, pour que la verdure puisse être en bonne santé, pour que la verdure puisse exister, ça doit être ensemble avec la terre. Amen. Amen. Dis un peu au voisin, c'est la terre qui a produit la verdure. Même si lui fait le gros dos, il ne fait pas parler. Toi, bouge-le. Ici, il n'y a pas de chef ici. L'unique chef, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des gloires. Alors, salue le voisin. Dis-lui, c'est la terre qui a produit de la verdure. Amen. Amen. La raison pour laquelle, si vous coupez un arbre de la terre, il va mourir parce que l'arbre est le produit de la terre. Combien croient cela? Voyageons encore, mes amis. Allons en Genèse, le chapitre 1. Au verset 20. Au verset 20. La Bible dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Ici, les animaux vivants dont on parlait, c'était les poissons. Là, c'est Dieu en train de créer. Il regarde maintenant aux eaux. Il dit que les eaux produisent les poissons. Il n'a pas dit que le poisson soit. Mais il regarde aux eaux. Il dit, toi les eaux, je t'ai déjà créé. Mais maintenant, toi, tu dois produire les poissons. Raison pour laquelle, si vous regardez le poisson, l'unique endroit où le poisson est en bonne santé, c'est dans l'eau. Si vous séparez le poisson d'avec de l'eau, ça va mourir. Oh, mais combien croient ça? Si vous enlevez le poisson dans l'eau, ça va faner. Ça va mourir. Pourquoi? Parce que le poisson est le produit de quoi? Je samaki na toka wapi? Le poisson est le produit des eaux. Samaki ni matunda ya mai. Et dans le poisson, na ndani ya samaki, il y a des matières. Kuku biombo. Qui sont en mariage avec de l'eau. Bila biku nambatana na mai. Tel que le poisson est. Vile samaki iko. Tel que l'eau est. Je vile na yo mai iko. Parce que à l'intérieur du poisson, ndani ya samaki, il y a des matières. Kuku biombo. Qui font le mariage. Kenya iku nambatana. Qui fait que l'eau soit ensemble avec quoi? Avec le poisson. C'est pourquoi je voulais un peu appeler Papa Branham. Parce que je sais que l'ancien c'est un amoureux de Branham. Alors est-ce que nous pouvons attaquer avec Feu Branham? Viens un peu dans la profondeur. Mais avant que je ne lise, retiens d'abord que la terre a produit les arbres. Les séparer, c'est la mort. Les eaux ont produit les poissons. Les séparer. Ah, vous êtes une bonne église. Je sens que je vais bien prêcher. La profondeur appelle la profondeur au point 6. Vrai Branham dit. Il dit, bon, tenez. Est-ce qu'on projette ça? Ah oui. Oui. Ah, si on m'avait dit, j'allais te donner tous les fichiers, mon cher. Bon, le vendredi, je vais te donner tous les fichiers. Faut me dire, bon, tenez. En d'autres termes, j'ai fait une déclaration comme ceci. Avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson, j'ai lu dans la profondeur, après la profondeur, prêchez le 9, 8e mois en 52. Pour celui qui projette. En 52.
52, le 9 août 52. Abraham a dit, Branham asema, avant qu'il y ait une nageoire sur le doigt d'un poisson, il devait d'abord y avoir de l'eau dans laquelle le poisson nagerait. Sinon, il n'aurait pas cette nageoire. Il n'aurait pas une nageoire s'il n'y avait pas d'eau. Avant que le poisson n'ait même les nageoires, il fallait que l'eau existe en premier. Branham ajoute, avant qu'il y ait un arbre qui puisse pousser sur la terre, il a fallu d'abord qu'il y ait une terre. Sinon, il n'y aurait pas d'arbre pour pousser dessus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Dieu de William et Branham, c'est un Dieu de solution en avance. Avant qu'un problème ne surgisse, lui il prévoit déjà des solutions. C'est pourquoi je voulais informer à quelqu'un. Ta requête est venue en retard. Ton dossier est venu en retard. Ton problème est venu en retard. Avant que ce problème n'existe, Jéhovah avait prévu déjà la solution. Alléluia. Amen. Il est le Dieu des solutions avant le problème. C'est pourquoi je voulais, avant qu'on ne prêche, commence par oublier ton dossier. Commence par essuyer le larme. Parce que cela est venu en retard. Raison pour laquelle Branham était en train de prêcher. Il était en train de prêcher. À un moment il dit, ainsi dit le Seigneur, Billy Paul, tu es guéri. Billy Paul, et quand il dit ça, Billy bouge son corps. Billy a dit, je ne suis pas malade. Mais comment papa peut dire Billy Paul tu es guéri? Je suis en bonne santé. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que papa a tapé à côté? Est-ce que le signe du Seigneur a failli? Alors plusieurs années plus tard, frère Branham n'était même pas sur la terre. Et ce jour-là, Billy Paul était gravement malade. Quelque chose lui dit, mets la bande, écoute la prédication telle, écoute telle prédication. Billy met la prédication, il a commencé à écouter la prédication. À un moment en pleine prédication, il entend une voix qui crie, Billy Paul, Billy Paul, là où tu es, Palawico, tu es guéri. Amen. Et sur place, la guérison est entrée. C'était quoi ça? Le Dieu de Branham, Mungu Abraham, a des solutions na majibu avant le problème. Mambo ikuye. Et je te déclare déjà, grâce tabernacle, maskani, tu es guéri. Unapona. Tu es boss. Uku, tu es leader. Uku, tu es pardonné. Uku, tu es le Saint-Esprit. Uku, na Romu takatifu. Alléluia. Amen. Mon Dieu a des solutions avant des problèmes. Alléluia. Oui, mes amis. Non, quelque chose va se passer. Je vous dis la vérité. Quelque chose doit se passer. Que le diable veuille ou pas, quelque chose doit se passer ici. Avant que je ne parte, tu dois avoir un témoignage. Amen. Amen. Mon ami, j'ai dit, remonte le volume, ou soit approchez-moi les baffles là. Rafiki, on me laisse ma pandeche volume. Ou bien chauffe chape, papa. Amen, ça ici. C'est dans notre église. Ou bien chauffe chape, n'y a pas bien. Amen, ça ici, j'aimerais entendre. Ou tu te ka hanouk? Ou e ka apa ifi? Ou tu te ka? Ou ke ke apa? Ou na chambula na cho, ou na chiteka hana? Ou na beba na ile ingina na wone kapali. Alléluia.
faut qu'il y ait beaucoup de volume ici pour que je prêche à l'aise. Et n'abiri à papa quoi ça outi yango fonjo nobiri muzuri. Là-bas vous m'écoutez très bien. Parlez mon enchika muzuri. Ah mais ici faut que je m'écoute bien. Et apa na poni anza kurishikia mimi mwenyewe hapa. Donc Branham me dit Branham avant qu'il y ait un problème, Dieu a quoi d'abord? Branham anasema mbele mambo ikupate Mungu yuko na nini? Jibu. Nous l'appelons celui qui voit la fin avant Amen. Le commencement. Njoko amana tunamuitaka anajuaka mwisho mbele ya mwanzo. Amen. Amen. Mais maintenant, ça, ça il y a une chose que vous devez voir. Dieu ne s'est pas arrêté par la création des poissons et la création des arbres et cela qui a été produit par autre chose. Non. Prenons en Genèse chapitre 1, le verset 26. Nous continuons avec Dieu dans sa création. Le verset 26, écoutez. Dieu continue à créer. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Tumbe mutu kwa mfano yetu. Selon notre ressemblance. Kulingana ule mutu atufanane. La ressemblance de qui? Kufanana nani? Mungu. De Dieu. Ah, je me sens bien. Oh, ne disquam. Et non seulement ça. Aikushimame tu pali. Que cet homme que nous devons créer. Ule mutu mwenye tutaumba. Qu'il domine. Ata. Sur. Atawa les poissons de la mer. Atawa le masamaki ya bari. Sur les oiseaux du ciel. Pamandeke ya anga. Sur le bétail. Pamanya. Sur toute la terre. Même à Kolosi. Pabulongo toute la terre. Pabulongo bote dunia mujima. Ata mukolosi. Est-ce que Kolosi c'est une terre? Eti Kolosi ni bulongo. Si Kolosi est une terre. Kama Kolosi ni bulongo. L'homme est censé dominer sur Kolosi. Moto anapasha kutawala Kolosi. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Na mitambazi yote yenye kutembea pabulongo. Remarquez mes amis. Mangareni barafiki. Ici, apa. Je vois encore le changement de langage. Minaona mubadilisho ya misemo. Dieu ne dit pas que l'homme soit. Ashikuseme mutu awe. Comme il avait dit que autre chose soit, mais on arrive aussi sur l'homme. Il ne dit pas que l'homme soit. Ah, vila ritaya bitu bingina bitokea kukifulani. Apa kwa mutu abawacha sa utokea kukifulani. Mais il dit, faisons l'homme à notre. Tufane mutu kwa mufano yetu. De la même manière que l'arbre est tiré de la terre. Vile muti natoka mubulongo. De la même manière que le poisson est tiré des eaux. Munamuna moyemo samaki bane tosha mkumayi. Mais cette fois-ci, sasa imara, l'homme lui est tiré de qui? De Dieu. Mutu yale tokea kwa nani? Kwa Mungu. Alléluia. Amen. L'homme lui est tiré de Dieu. Mutu yale tokea kwa Mungu. Ce qui veut dire, il en appelle la si vous séparez l'homme avec Dieu, ukiachanisha mutu na Mungu, l'homme va mourir. Mutu atakufa. De la même manière, que vous ne pouvez pas séparer le poisson. Awezi kuachanisha samaki. Et le voir évoluer. Na maji kwa wote. C'est de la même manière. Munamuna moyomoya. L'homme et Dieu sont un. Mutu na Mungu bako moya. Raison pour laquelle la divinité n'entre pas dans un arbre. Amen. Je vais prêcher aux aigles ce soir. La divinité n'entre pas dans l'eau. Remarquez même au commencement. L'esprit de Dieu ne se mouvait pas dans l'eau. Mais l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus. La divinité n'entre pas dans l'eau. N'entre pas dans un animal. Mais la divinité, c'est Mungu. C'est pourquoi on parle du Dieu dans la chair humaine. J'ai envie de dire une chose. Et
L'homme est tiré de Dieu lui-même. Et faites attention. Je ne parle pas des oreilles. Je ne parle pas de l'homme avec cinq sens. Je ne parle pas de l'homme formé. Parce qu'en Genèse, il y a deux types de hommes. Il y a l'homme formé et l'homme créé. Quel est l'homme formé? C'est le corps. Mais l'homme créé à l'image de Dieu, c'est la théophanie. C'est le logos. C'est la colonne de feu. C'est ce qui est en toi. En réalité, ta mère ne t'a jamais vu. Mama yako ashia konaka. En réalité, ton père ne t'a jamais vu. Baba yako ashia konaka. Il voit seulement ta veste. Eku naona nkochi yako. Il voit ton corps qui est ton enveloppe. Anaona mwili yako yenye kuwa nguo yako. Qui est toi? Sasa wewe ni nani? La divinité. Bo Mungu. Qui est toi? Wewe ni nani? Le logos. Logos. Qui est toi? Wewe ni nani? Je Mungu. Que quelqu'un dise je suis Dieu. Écoutez, Chikia. Que celui qui continue à avoir tes péchés, ule kunaendelea kupata kwa nzambi. Que celui qui voit tes erreurs, ule kunaona makosa yako. Qu'il continue à avoir tes erreurs, endelea na kuiona. Qu'il continue à propager tes péchés, aendelea kutangaza nzambi yako. Qu'il dise aux gens combien tu es péché. Ambia watu malangapi yako mtenda nzambi. Mais quand Dieu te regarde, lakini pale Mungu anakuangalia. Il dit celui-ci, anasema huyu. Il n'est pas tiré de la terre, asikutoke kwa mavumbi. Il n'est pas tiré des eaux, asikutoke kwa maji. Mais celui-ci Akili uyu est tiré de moi. Anatoka kwangu mimi mwenyewe. En réalité, kwa kweli, tu es Dieu. Uko Mungu. Ah, shalom Dieu. Oh, shalom Mungu. Je te salue Dieu. Nakulamkia Mungu. Dieu en pantalon. Mungu musuluali. Dieu en jipe. Mungu mujipe. Dieu en robe. Mungu mukanjo. Tel que nous sommes là, hivi tuko hapa. L'assemblée de Dieu. Makusaniko ya Mungu. Et remarquez, mwangalioni. Qui est Dieu? Mungu. Le créateur. Mumba. Qui est Dieu? Mungu ni nani? Celui qui appelle les choses à l'existence. Ni ule na ita bitu kubiumba. Et ce soit comme nous sommes des dieux. Na imangaribi vila tuko ba Mungu. On va créer. Tutaumba. Amen. Dieu va dire ce soir je vais créer. Dis-lui. Na amia jerani asani kizazi kia kumba. Chacun va créer selon son désir. Mutu wote ataumba kile na tafuta. Dieu un peu, je vais créer. Tu vas créer selon ton désir. Parce qu'en toi, il y a quelque chose. Il y a la divinité. Alléluia. Amen. La divinité, tu dis un peu, la divinité habite que dans l'homme. Raison pour laquelle, même quand Dieu a voulu accomplir la grande mission de la rédemption, quand tu as voulu sauver l'humanité, il n'a pas pris une chèvre. Bien que l'éléphant est plus gros, mais il n'a pas pris une chèvre. Fils, j'ai donné. Moi, la ritu pewa. C'était qui? Il est quoi, nani? L'homme. Moutou. Et quand nous voyons au temps du soir, wakati tunaona kumangaribi, quand il a voulu achever le plan de la rédemption, ala ripenda kumalizia mupango ya ukombozi, parce que ici, njou, apa. Ici, apa, il a commencé le plan de la rédemption. Là-bas, c'était le rachat. Ni mais quand il a voulu achever, achever le plan de la rédemption, remarquez mes amis, il prend encore un corps de chair. Il prend un homme. Il l'enveloppe. Et il met en lui la plaie. Ah, la plaie. Oh, où t'es-le? Où t'es-le? Où t'es-le? La plaie. Où t'es-le? Anayaja. 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 La plénitude. Où t'es-le? De la divinité. Bumungu. Toutes les portions qui étaient dans tous les âges. Bipande beta berkwa mubizazi. C'est pourquoi j'aime toujours Frère Paul. C'est un monsieur très sincère. Nous avons prêché
en partie. Tunahubiri kwa semu. Là, c'est Paul qui témoignait. Mais Paul a rendu ça. Nous avons prophétisé en partie. Kutabiri kwetu ni kwa kipande. Mais lakini quand wakati wakati munganga butakuya, quand le parfait viendra, wakati mukamilifu atakuyaka, le partiel disparaîtra. Kya kipande kitapotea. L'affaire de la divinité, c'est notre affaire. Mambo ya bumungu inatuangalia shie. Et tu vois un frère qui dit, unaona nduku anasema, oh si l'entrée ici, oh akiingia humo, l'homme va exploser. Moto atapasuka. Je prêche à l'aise parce que je suis dans l'église de mon vieux. Minaweza kuhubiri, mimi nahubiri ndio mimi nasema ukanisa mzee wangu. Oh l'homme va éclater. Oh moto atapasuka. Ah eh papa. Baba. Uruta iko ndo wewe. Ula atapasuka ni wewe mwenyewe. Kwa ewe. Njoo huyu. Kenu taiga tu. Atapasukaka. Ndogo Branham asema, quand l'ange est allé saluer Marie, vile malarika ayendaka sana kuamkia Maria, et lui a dit, je te salue Marie. Na kumwambia na kuamkia Maria. Marie avait porté en elle, Maria alipapaka ndani yake, le Elohim. Le ule Elohim. Mais si une femme n'a pas éclaté, kama mwanamke anakosa kupasuka, qui n'avait que 17 ans, mwanamke wa miaka 17, que dire de celui qui a fait la première vision depuis le sein de sa mère? Sasa tutasema nini huyo anapata ono tangu mtumbo ya mama yake? Alléluia. Amen. Que Dieu un peu au voisin ne me ravit pas la divinité. Na abia jerani asema kunyanganya bumungu. Ne me ravit pas la divinité. Kunyanganya bumungu. Même si je suis tombé, ataka wana anguka. Mais à moi il y a le sang de mon père. Lakini ndani yangu huko matifua cha baba. Même si je suis en erreur, ataka wami kumkosa. À moi il y a la divinité de mon père. Ndani yangu bumungu bwa baba buku amo. Kekeke ni haleluya. Atasema haleluya. Oh, gloire au Seigneur. Oh, utukufu kwa Bwana. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Tupikie mikono nguvu njoo utukufu ya Bwana. Jusque là, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Paka na hapa sianza kuhubiri. Je suis seulement en train de sélectionner ceux de ma race et puis on va décoller avec eux. Mais kuna chakula tu ba munkunji yangu barangi yangu tuluke nabo. Tutaluka wangu. Alléluia. Je voudrais attaquer un peu une chose ici. Penda kubamba kwa kitu kimoya hapa. Luc chapitre 1. Luka sura ya kwanza. Le verset 34. Mustari wa 34. Marie dit à l'ange, Maria akamujibu malaika, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Biteni fanjika namula kani njumi shiyajua banaume. Là c'est l'ange qui dit à Marie, je te salue Marie, tu auras un fils. Vous connaissez l'histoire. Parlez-ni malaika, je lui disais, tu auras un fils Emmanuel, le prince de paix, tout ce que nous connaissons. Na parlez-ni malaika kuna mwambia na kuamkia Maria. Na utazala mtoto atakuwa mfalme. Mnajua maarishi kule nende. Branham lay de malashika, parce que il y a une différence quand un prédicateur prêche et quand un prophète prêche. Branham richo ya malakia ine. Kuko achanisho ya mhubiri na nabii kuhubiri. Là il faut qu'on s'entende bien. Ile tusikilizane mzuri. Quand un prédicateur prêche, wakati mhubiri anahubiri. Tout prédicateur quand il prêche, mhubiri wowote pale anahubiri, ce sont les choses qu'il a lu. Ni bintu bila risoma. Ça faut que nous soyons sincères pour le dire. Tukuye ko tunawati akusema. Il a lu des versets. Anasoma mandiko. Il a lu des citations. Anasoma bitabu. Ce sont des choses qu'il a lu. Ne bintu bila risoma. Mais quand un prophète majeur prêche, wakati nabii wa kizazi ela ubiri, ce ne sont pas seulement les choses qu'il a lu. Aina paka bila risoma. Mais ce sont des choses qu'il a vu. Ne bintu bila naronea. C'est pourquoi Branham pouvait vous dire, il dit, laissez-moi aller derrière l'épaule de Pilate, pour que je lise la lettre que sa femme lui avait envoyée pendant que Jésus était devant Pilate. Quand Branham est né, il est né en 1900. Branham est né en 1900. Le 6 avril 1909. Tare sita mwezi wa 4
Pilate a existé depuis. Pilate a kuyaka tangu. Comment Branham a lu la lettre que Pilate lisait? Comment il a lu? Namuna kani Branham a risoma barua ile Pilate alanza kusoma ya Biblia yake alimwandikia yaka. Branham dit un prophète Dieu l'élève. Ndoko Branham asema nabi Mungu anampandishaka. Au-dessus des émotions de l'église. Yolo ya michemuko yote ya kanisa. Au-dessus des acclamations. Yolo ya mikono yake. Dieu lui fait visiter la parole de chaque âge. Na Mungu atamwonesha neno ya kila kizazi. Il peut voir des choses que toi tu n'as jamais vues. C'est pourquoi Branham dit, quand David a tué Goliath, David était un jeune de 17 ans. Tu vas chercher ça là ici. Tu ne trouveras pas. Ce sont des choses qu'il a vues. Et il dit, quand Marie a croisé l'ange, c'était un lundi. À 17h. Il dit quand Abraham a épousé Sarah. Sarah avait l'âge de 17 ans. Tu vas chercher ça, tu ne trouveras jamais. Il faut chercher la Bible en cravate. Amen. Tafuta Biblia inakuwa mtu. Branham dit. Un prophète est une Bible qui marche. Nabii ni Biblia inatembea. À laquelle on ne peut ajouter ni retrancher. Kula wazi kuongeza au kupunguza. Alléluia. Mais pourquoi le chiffre 17? Sasa njua nini namba 17? Il dit le chiffre 17 c'est le chiffre de la visitation de Dieu dans la chair. Asema namba 17 ni kufariji kwa Mungu. Raison pour laquelle même quand Dieu a visité Abraham, il c'était en Genèse 17. Njoo kwa maana Mungu wakati alimfariji Ibrahimu ni Mwanzo 17. Et quand nous arrivons à la rivière Oyo. Wakati tunafika kumtoni ya Oyo. Pendant qu'il le baptise. Wakati akunabatiza. Ce n'était pas la 15e personne. Hakukua mtu wa 15. Ce n'était pas la 16e personne. Hakukua mtu wa 16. Mais à la 17e personne. La voix est descendue. Et de la même manière, que Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue. Toi. Ce soir, tu vas subir l'influence du chiffre 17. Amen. Mangaribi, utapata kijungujungu kya 17. Alors je continue à mettre ma base. Je vais prêcher dans peu de minutes. Je vais vous libérer. Mikunendelea kuweka misingi yangu tahubiri madakika michelo. L'ange lui dit tu auras un fils. Malaika asema utazala mwana. Elle répond. Naye anajibu. Comment ça va se faire? Bitafanyika namna kani? C'est impossible. Abiwezekani. Et normalement c'est comment? C'est impossible. Tusem tuambiane tu kweli abiwezi kufanyika. Non, comme ouais, on a c'était facile. Tu n'as qu'à dire que c'était facile. Kama moi, kwa je kwa vois que c'était impossible de croire une chose pareille. Ouais, elle kama est vierge, elle est seule. Comment elle aura un fils? Na, ouais, comme on a quoi qu'on teke teke. Ni ouais, ça, ça, ni bikira. Ana na bwana, atazala namna kani. C'était comment? Impossible. Bilikuwa namna kani. Bia shoku wezekana. Quand Marie montre l'impossibilité. Wakati Maria anonesha namna shoku, kitu akita wezekana. Le verset 35. Nukta makumi tatu na tano. Écoute ce qui se passe. Shikia vile mambo ilifanyika. L'ange lui répondit. Malaika akamujibu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Roho Mtakatifu atakushukia. Tu peux lire avec moi ensemble. Tunaweza kusoma pamoja. Lisons à haute voix. Tusome shibo tena sauti ya yule. Et la puissance du Très-Haut. Na uwezo ya waju. Te couvrira de son ombre. Salut des personnes, dites-les l'ombre. La mukia batu bauri bambia se kimvudi. Aina mumvudi, kimvudi. On a ce mot. Bashiseme mumvudi, kimvudi. Kimvudi. Njo si je yangu. Dis-le au voisin. Même la plus petite ombre. Ambia Jerania se attaque kimvuri kaloko. Peut faire l'affaire. Kitakata mambo. C'est ça mon sujet. Njo tungo yangu. Même la petite ombre. Attaque pande ya kimvuri. Peut faire l'affaire. Kitakata mambo. Est-ce que nous nous connaissons bien? Et même la petite ombre. Attaque pande ya kimvuri. On est sur l'air de faire semblant. Dites même la petite ombre.
peut faire l'affaire. C'est ça mon sujet. Même la petite ombre peut faire l'affaire. Là je dis à Marie, ne t'inquiète pas, l'ombre va finir l'affaire. Tu seras couverte de l'ombre du Saint-Esprit. Avec cette ombre là, tu auras l'enfant. En d'autres termes, ce qui était impossible au devant de Marie, mais avec l'ombre de Dieu, c'était devenu comment? Qu'est-ce qui a fait que Marie ait la grossesse? Elle a été couverte de quoi? De l'ombre de qui? Je suis un peu vraiment. Hein? On va un peu avant qu'on ne décore encore plus loin. Cherchons à comprendre le fils que Marie devait avoir. Et ça y est, une fils. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Conseiller. Dieu puissant, Mungu mwenye uwezo, Père éternel, Baba wa milele, Prince de la paix, Mufalme wa amani. Marie devait porter un enfant pas comme les autres. Maria arizala alipasha kuzala mtoto kwa chana na watu wote. Il devait porter le créateur en elle. Alipasha ndani ya tumbo yake abebe mumba. C'est là que tout le monde doit croire à la divinité d'un frère Branham. Njo pale watu wote baamini bumungu ndani ya ndugu Branham. Écoute dans l'âge de l'église de Smyrne au point 141. Shikia mukizazi kya Smyrne 141. Branham dit c'est glorieux créateur. Ndugu Branham asema kila kiumbe cha utukufu. Je prêche en 60. Le 6-12-60. Tare sita mwezi wa 12 mwaka 141. Ce glorieux créateur. Iki umbe cha utukufu. Est venu mon sauveur. Na akakuya mwokozi wangu. Il s'abaissa jusqu'à devenir une petite cellule sanguine. Na akajipunguza anakuwa tu chembe kilulu ya damu. Non pas par un homme. Aina kupitia mtu. Mais virginellement par une femme. Na kwa bikira kwa mwanamke. Et il prit ce petit pollen de la femme. Na akabeba ile Rebecca yule mwanamke. Et se forma une petite demeure. Na akadifanchia makao. Et il vécut. Na akaishi ndani. Oh! Oh! Cela devrait nous frapper. Il a ripasha kutupika. Jehovah. 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 Sur un tas de fumier dans une étable. Banenda kumweka panyashi pa meza chini ya kanyumba. Pleurant, anaria. Qui pleurait? Na yaraza kulia. Sois sincère pour dire Jehovah. Kuya mwaki useme Jehovah. Qui pleurait? Na yaraza kulia. Branham dit. Branham asema. Jehovah dans une crèche de paille. Jehovah mukamutunye kanyashi. Qui fait ingala? Na yakuna nyaria. Jehovah. Jehovah. Branham me dit ce qui m'a rassuré que Jésus était Dieu. Branham a sema kila kitu nipachaki kichwa sema Yesu ni Mungu. C'est parce qu'il était en mesure. Jo ariwezaka. De quitter du plus haut kutoka yulu jusqu'au plus petit. Na kushuka chini kumijiji. Dieu peut se confiner même dans un rien. Mungu anaweza kujipunguza kwenye hata fashi ya bule. Remarquez lui le grand Jehovah. Angalia ya Jehovah kubwa. Se confiner dans un bébé qui vient de naître il y a quelques secondes. Anadingiza mtoto mwenye anazalika mkuu mazekote tu kiloko. Mais comment ne pouvait-il pas se confiner dans un montagnard de Kentucky? Namo na kane alipasha kupusa kwenye ya mtu amesema Kentucky. Tushuke. Descendant. Tushuke. Comment ne peut-il pas se confiner dans notre pasteur? Namo na kane ataweza kushinda kwenye jamaa wa pasteur wetu. Bon, descend. Oh, quand je dis pasteur, tu ne dis même pas amen. Tu es jaloux comment? Pasteur, bina kupacha buifu nini? Non mais Dieu se confine même dans ses hommes, papa. Mungu anajipunguzaga kuingia hata mbatumishi yake. Oh, vous ne croyez pas que Dieu est dans votre pasteur? Eh? Muamini nasema Mungu ako ndani ya pasteur wewe. Si tu ne crois pas ça, tu es suspect. Kama waamini ile, uko adefe. Dieu ne s'arrête pas chez Branham. Mungu ashishimamia tu ko Branham. Il descend. Anashuka tena. Il doit habiter dans son serviteur. Anabasha kuishi ndani ya mtumishi wake. A dit amen. Asema kwa amina. Il ne s'arrête pas chez lui. Na ashishimamia tu ko mtumishi wake. Anashuka mbantu wote.
C'est pourquoi je te donne la chance de saluer Dieu. Salut Dieu. Dis-lui bonsoir Dieu. Ce qui fait que tu es là pour chercher les erreurs du passé, c'est parce que tu oublies qu'il est Dieu. C'est ce qui fait que tu propages les erreurs des sœurs. C'est parce que tu oublies qu'elle est Dieu. Mungu Baba. On a mis ça mamuzorubire peut-être. Ule dada huku naenda kushimanga unasabu asema ni Mungu. Frappe encore. Ule dada unaenda kushimanga. Yawa kaka waenda kulongela shibika. Ubahe moya kule namba eleza. Acclamons pour lui. Alléluia. Amen. Alors revenons parce que je vais commencer à prêcher. Turudi anja mimi napenda kubiri. Qu'est-ce qui a fait que Marie puisse avoir ça? Nini rumpacha Maria mimba? L'ombre, il n'y avait pas autre formule. Oh Marie, va à la montagne, faites 40 jours. Oh Maria, wenda kumulima kufunga chakula. Alors l'impossible deviendra possible. Oh, kiasho kuwezekana kitawezekana. Sans prière. Bila komba. Sans jeûne de prière. Bila kufunga chakula. Sans rien. Pa kintu une fois que l'ombre est arrivé sur elle. Pala tu kimvuri kilimushukia. Anapata mimba. L'impossible devenir. Kiashokuwezekana kinawezekana. Ena rien fait comme effort. Ashikufanya nguvu hata moyo wa mtu. Rien que l'ombre de Dieu. Ni kimvuri tu cha Mungu. A changé son histoire. Kinabadilisha mambo yake. Alors maintenant dis grâce prêche. Sasa unyambia sema grâce ubiri. Ah, dis-le bien, dis-le bien. Ah, sema hayo mzuri. Je vais maintenant prêcher. Napenda sasa kubiri. Dans quelques minutes qui restent après on dérange Satan, on sort. Na mumadajika tu kiloko kisha tumuji shetani tu. Je vais lire une citation. Tasoma andiko moya. Que Satan n'aime pas que je lise. Ile shetani ashipenda sana isome. Mais c'est cette citation. Sasa ni ile andiko. Qui va changer ton histoire. Itabadilisha maisha yako. Sois seulement prêt à dire un grand amen. Kwa tu tayari kusema amen na munene. Amen. Amen. Je vais lire la citation là. Napenda kusema ile andiko. Dans ta famille. Mumahubiri jamaa yako. Prêchez le 8-8-61. Tarehe munane mwezi wa munane mwaka wa 161. Que mon cher cherche là pour qu'on lise ensemble. Mais napenda rafiki yangu alitafuta tuso. C'est une citation que le diable n'aime pas. Ni andiko la shetani bila mumaka. 8-8-61. Tarehe munane mwezi wa munane mwaka wa 161.33. Nukta makumi tatu na tatu. C'est là que je commence à prêcher. Ndio pale naanzia kubiri. Unakipata? Lisons ensemble. Tu sommes chibote. Toi aussi tu dois consommer là-bas. Ah, oui, je vais lire. Comme je l'ai dit, lis avec nous, lis avec moi. Oui. Lisons ensemble, lisons tous. Tu sommes chibote. Comme je l'ai dit l'autre jour. Ça va vivre mes semaka siku nyingine. Quand nous naissons de l'esprit de Dieu, tu kizarika ku roho ya Mungu. Dieu n'a pas une partie faible. Mon voilà la qui parle qui a besoin d'info. Et une autre partie forte. La qui parle qui engira qui angouvre. Si vous avez une petite ombre, une petite ombre de Dieu en vous. Kama mungu na kipande cha mungu ndani yenu. Juste la plus petite portion de Dieu. Ka kipande kiloko cha kimvuri ya mungu. Alors. Sasa. Vous avez toute la puissance. Mungu na uwezo yote. Ce soir, ce soir, on n'a pas besoin de chercher toute l'ombre. Mais si vous avez une petite ombre de Dieu, toute la puissance de Dieu est en vous. Si l'ombre de Dieu a fait que l'impossible devienne possible pour Marie, ce soir au nom de Jésus Christ, si quelque chose est impossible pour toi, à cause de l'ombre de Dieu qui est sur toi, ce qui est impossible, devienne
deviendra possible. Kitawezekana. Grâce mutombo. Grâce mutombo. Qu'est-ce que la petite ombre? Kimburi kiloko ni nini? Qu'est-ce que la petite ombre? Kimburi kiloko ni nini? C'est la petite vie de la parole que tu as. Ni maisha kiloko ya neno uko nayo. Peut-être tu ne pries pas beaucoup comme le pasteur. Samo ya ombacha nguvu za pastori. Mais malgré ça, aizuri ile. Avant de dormir tu pries quand même. Mele ya kulala unaombaka. Le fait de prier un peu. Ile namu na komba ta kiloko. C'est parti de l'ombre. Ni kipanda kimvuri. Et frère Branham a dit. Nduku Branham asema. Si vous avez une petite ombre, kama kuna kipanda kimvuri. Vous avez toute la puissance de Dieu. Uko na bumungu uwezo wote ya Mungu. Que quelqu'un le répète à haute voix. Moto asemulule na sauti ya nguvu. Même la petite ombre. Hata kipanda ya kimvuri. Même la petite ombre. Hata kipanda ya kimvuri. Ça peut faire la paix. Itakata mambo. Ce soir au nom de Jésus. Biko nguvu mjina Yesu. Une femme sans matrice. Mwanamke wa sho kitanda buzazi. Sera à mesure d'accoucher. Anaweza kuzala. Ce soir au nom de Jésus. Un homme sans travail. Il deviendra le poteau de la famille. Écoutez mes amis. Même la petite ombre. Peut changer ton histoire. Même si tu ne fais pas beaucoup de jeûne. Mais néanmoins tu viens à l'église. Tu y avais des endroits où tu pouvais aller. Pourquoi tu y es venu à l'église? C'est parce que tu as quand même l'ombre de la vie de Dieu. Même la petite ombre. Peut changer ton histoire. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors que je sens sa présence. Alors que je sens son ombre ici. Alors que je sens sa présence ici. Soyez guéri. Soyez guéri. Soyez pardonné. Soyez élevé. Soyez béni. Soyez béni. Oh, il est déjà ici. Oh, je ne vous ai pas dit de vous tenir debout. Pourquoi vous êtes debout? Sasa nini naweka buima? Je ne vous ai pas dit de vous tenir debout. Sikumiambia mshimame buima. Pourquoi vous êtes debout? Nini mnashimama? Tu sais pourquoi tu es debout? Unaweka kina kushimamisha? Dans une salle de conférence. Mumukusaniko. Dans une salle de conférence. Mchumba ya mkusaniko. Lorsque le président de la République entre dans la salle. Wakati raisi wa incha anaingia. Remarquez dans toute la salle. Angalia mkusaniko yote. Tous les députés. Ba bunge bote. Tous les ministres. Ba ministre bote. Tous les gouverneurs. Ba gouverneur bote. Ils se tiennent debout. Tu sais pourquoi tu es debout? Unajua njua nini kubwima? C'est parce que. Ninjua kusema. Le roi des rois. Mufalme abafalme. Le Seigneur de gloire, wa utukufu, le Dieu tout-puissant, le patron de l'univers, il est déjà dans la salle. Il est déjà dans la salle. Et frère Branham dit, quand lui descend, wakati anashuka, il ne descend pas comme un spectateur. Mais quand lui descend, pale anashuka, il devient l'acteur principal. Anakuwa yeye mwenye mchezaji. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu. Soyez bénis. Mubarikiwe. Même la petite ombre. Hata kipanda ya kimvuri. Peut faire l'affaire. Itakata mambo. J'invite les membres de ta famille. Mina arika banduku yako jamaa. J'invite les membres de ta famille. Abanduku yako jamaa. Qu'ils viennent voir ce que Dieu de Branham fait de toi. Baone kile Mungu wa Branham atakufuatia. Qu'ils viennent voir ce que Dieu de Branham fait de toi. Baone kile Mungu wa Branham atakufanya. Tu es élevé. Unapandishwa. Tu es béni. Unabarikiwa. Tu es béni. Unabarikiwa. Dites encore même la petite ombre. Sema hata sehemu ya kimvuri. Peut faire l'affaire. Itakata mambo. Je prêche un Dieu. Mina ubiri Mungu. Qui est capable de ramasser du ridicule au sublime. Ola anaweza kukulokota chini na kukupandisha. Le chef de Branham. Mungu wa Branham. Il ne regarde pas tu viens de quelle famille. Ashangalia unatokea mjamaa kani. Il ne pose pas de questions sur ta famille. Ashuulizake unatokea wapi. Mais il ramasse qui il veut. Et ce soir tu y es son choix. Ce soir tu y es son choix. Que le diable le veuille ou pas. Comme tu y es déjà ici. Quelque chose doit être changé. Envoie amen trois fois. Amen. 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 Amina, Amina, Amina. Avoue amène trois fois. Ça amène malatatu.
Écoute une autre bombe maintenant. Dis au voisin comme tu es déjà debout. Dis lui comme tu es déjà debout. Écoute cette citation. Prends le point 56. Beba nokta makumi tano na sita. 56. Makumi tano na sita. Dis-lui comme tu es déjà debout. Umwambia sevira ushakushimama buima. Écoute toi-même cette citation. Wewe shikia wewe mwenyewe andiko. Donne le point 56. Nokta makumi tano na sita. Utoshe le bintu bile. Obione mushere. Ne coupez pas l'onction mushere. Ushikate upako. Le point 56. C'est déjà trouvé. Prêchez le 8-8-61. Tare munane mwezi wa munane mwaka makumi sita na moja. Lis avec moi. Tusome pamoja. Mais, lakini, vous avez la puissance pour le faire. Moko na uwezo ya kuitimiza. Écoutez, chikia, tel que tu es là, vila uko pale, avec tes faiblesses que tu connais là, na bula buzaifu boko ne jijuwa kabule. Branham te dit, Branham anakuambia, vous avez la puissance pour le faire. Uko na uwezo ya kuitimiza. Tu as la puissance pour ouvrir des magasins. Uko na uwezo ya kufanya duka. Tu as la puissance pour ouvrir des boutiques. Uko na uwezo ya kufanya maduka munene. Tu as la puissance pour faire des grands voyages. Uko na uwezo ya kusafiri fasi ya mbali. Tu es là où tu es jeune de la puissance. Sema pale uko miko na uwezo. Bouge un peu avec fier. Tenka uko na fieri. Tu es jeune de la puissance. Sema miko na uwezo. Jeune de la puissance. Miko na uwezo. Les gens pensent que tu ne vas pas évoluer. Bantu banona sa utenda mbele. Mais Branham te dit. Branham anakuambia. Vous avez la puissance. Uko na uwezo. Pour faire comment? Pour le faire. Uko na uwezo ya kuitimiza. Écoutez. Shikieni. La moindre petite ombre de Dieu. Kakipanda kiloko kakimvuri ya Mungu. Pourrait faire n'importe quoi. Itafanya kintu kyochote. N'importe quoi. Kintu kyochote. Dieu au voisin. Ambia jirani. Je peux faire n'importe quoi. Tafanya kintu kyochote. Dis encore au voisin. Ambia jirani. Ne sois pas surpris. Usishutike. Dis-lui, ne sois pas surpris. Umwambia usinishutike. Quand tu me verras rouler. Pale utaniona nitembeshe gari. Dans des jeeps qui étouffent les jaloux. Na ile gari itaumisha babuivu ro. Ne sois pas surpris. Bisikushutushe. De me voir rouler. Dis-lui. Umwambie. De me voir rouler. Frère Branham dit. Moko Branham asema. Ce que vous confessez. Kila uko nasema. C'est ce que vous deviendrez. Njo kila utakuyaka. Alors confesse, dis-lui. Umwambie hivi. Ne sois pas surpris. Usishutuke. En me voyant rouler. Unyone mie. Dans des jeeps. Mukutembesha gari mu ya bei. Qui étouffe les jaloux. Ile itashirikisha babuivu. Le Dieu de Branham. Mungu wa Branham. Il donne des bénédictions qui étouffent les jaloux. Analetaka mabaraka. Ile inaumisha batu maro. Grâce tabernacle. Neema maskani. Construisez un tabernacle. Mujenge ekalu. Qui étouffe les jaloux. Ile itaumisha batu maro. Beku hivi juu ya nini. Bana yenge ki eglise ki kanisa kinene hivi juu ya nini? Njoo bitafanya nje. Kele za komansa dis. Tuko na Mungu. Kele na Mungu tutayenga ki kanisa kile kitaderanger les jaloux. Nous allons construire l'église qui dérangera la vie des autres. J'ai envie de danser sa musique. Oh, mina shikabia kucheza kwa show mwimbo. J'ai envie de danser. Mimi na shikabia kucheza kwa show mwimbo. J'ai envie de danser. Mimi na shikabia kucheza kwa show mwimbo. Même la petite ombre. Ah, ta kipande kimvuri. Peut faire l'affaire. Itakata mambo. Tu ne vas pas mourir tel que tu es. Ah, utakufa hivi wiko. Tu ne mourras pas tel que tu es. Ah, utakufa hivi wiko. Sur toi il y a l'ombre de Dieu. Pale wiko ukuna kimvuri ya Mungu. Écoutez maintenant la bonne nouvelle. Écoutez la bonne nouvelle. Siki habari njema. Non seulement que vous avez l'ombre de Dieu. Aina tu asema unashimamia tu kwa kimvuri ya Mungu. Mais toi-même tu deviens l'ombre. Wewe mwenyewe ndio kimvuri. Amen. Écoutez. Sikia. Non seulement que vous avez l'ombre de Dieu. Aina tu kukua na kimvuri ya Mungu. Mais toi-même. Wewe mwenyewe. Tu deviens. Wewe ndio unakuwa kimvuri. Grâce tu dis la vérité. Grâce uko nasema kweli. Retournons dans la Bible. Turudiamu Biblia. On voit Pierre. Turuona Petro. La Bible dit. Biblia nasema. Pierre marche. Petro akaanza kutembea. Et les malades venaient. Na bagonjwa. Ils se tenaient à son ombre. Baranza kushimama kukimvuri yake. Et ils étaient guéris. Na baranza kupona.
Posons la question. Ils étaient guéris par l'ombre de Pierre ou de Dieu. C'était l'ombre de Pierre. Comme Pierre avait l'ombre de Dieu. Petro, son ombre à lui faisait le miracle. Qu'est-ce que je veux dire? Là où toi tu t'assois là. Si on amenait un sidatique là-bas, il sera guéri. Atapona. Je vous dis la vérité. Mais même tes habits peuvent guérir. Même tes empreintes peuvent donner la solution. C'est pourquoi. Un jour. Shikumoya. Dites aussi un jour. Un jour. Semalawe Shikumoya. Un jour. Shikumoya. Un malade arrive au Branham Tabernacle. Mugonja nengia Branham Maskani. Il voulait que Branham prie pour lui. Arependa Branham Amombe. J'ai appris que tu as l'ombre de Dieu. Je suis venu que Branham m'impose la main. Mina Branham anyeke mukono. Dès qu'il arrive au tabernacle, le diacre lui dit, mais toi aussi. Bashe masa na wena weye. Fallait venir depuis longtemps. Il est bien ukuya nzamani. Frère Branham est déjà parti. Branham acha kwenda. Tu es venu en retard. Usha kuchelewa. Moi je suis venu déterminé pour que je sois guéri. Vous me dites qu'il n'est pas ici. Oh, mais je te dis qu'il n'est pas ici. Pour te prouver qu'il n'est pas ici. Regarde sur terre ici. Angara papa bulongo. Tu vois les empreintes ici. Branham est sorti comme ça. Il est parti comme ça. Donc ça là ce sont ses empreintes. L'homme l'a dit. Ule bwana anasema. Tu allais tout me cacher. Ulipasha kunifuchika bintu byote. Sauf ce que tu viens de me montrer. Kutosha tu mikulu hii unanyonesha. Comme tu viens de me montrer. Vile unanyonesha. Mikulu yake alikanyanga. Maintenant je ne cherche même pas Branham lui-même. Sina tena lazima na Branham mwenyewe. Nitembelee yemo. Sasa, je vais marcher sur ses empreintes. Nitatembea vacha alikanyanga. Je vais marcher sur ses empreintes. Pa mikulu yake alikanyanga. Et dès que je marche dessus. Pale mikuna tembelea pale. Je serai guéri. Nitapona. Frère Branham dit c'est qu'il a marché sur mes empreintes. Il a été guéri. Et ce soir, on n'a pas besoin des empreintes de Branham. Atutafuta mikulu ya Branham. Même si ça existait, mais ça y est aux États-Unis. Ataka maiku ako iku ku Amerika. Mais il y a une chose qui m'encourage. Kuko kintu kikuna likankamisha. Frère Branham dit Ndugu Branham asema. Même si je mourrais ce soir, ataka ma mimi nakufa imangaribi. Je n'irai pas avec la colonne de feu. Sitendaka na nguzo ya moto. La colonne de fer restera avec les pouces. Ce soir, je vous informe. Nous sommes les pouces de Jésus-Christ. La même colonne de fer. Elle n'est pas dans la tombe. Mais la colonne de fer est ici. Je la sens dans mon cœur. Elle est en train de ravir le cancer. Elle ravit le diabète. Elle ravit la stérilité. Elle ravit le chômage. Elle ravit manque du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Jésus Christ. Soyez bénis. Soyez pardonnés. Vous êtes bénis. Même si tu ne pries pas beaucoup. Même si tu n'as pas la foi. Frère Branham dit. Je crois à votre place. Je parle à votre place. Et j'intercède pour vous. Marche avec fierté. Tembea na fieri. Je suis béni. Sema na barikiwa. Je suis pardonné. Sema na samewa. Je suis millionnaire. Mimi ko millionnaire. Je suis millionnaire. Wende madunda. Je suis béni. Mina barikiwa. Tu n'es pas n'importe qui. Aona mtu ovyo. Tu es béni. Ukuwa kubarikiwa. Tu es élevé. Ukuwa kunyanguliwa. Répète avec moi. Semulula na mie. Même la petite oie. Ata kipanda ya kimvuri. Peut faire l'affaire. Itakata mambo. Shalom. Amani. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu ambariki kwa utajiri. Il y a force, force merveilleuse. Oh, dans le sang de l'agneau. Oh, il y a force. Oh, seven.
Hallelujah.
Fate maombi. Vivons la prière. Vivons la prière. Fate maombi. Nous allons prier le Seigneur. Suivons la prière. Bien-aimé Jésus, Dieu de Rujan Pranam, le message, ce n'est pas au Dieu un livre mort. Ce n'est pas une lettre qui n'a pas de vie. Bien-aimé Jésus, le prophète et la Bible confirment que quand l'on parle de Jésus, quand on parle de Dieu, et surtout en ce temps de la fin, il y a plus d'évidence, Père. Une petite fille de 12 ans qui était captive dans un pays étranger, quand elle a vu un grand général souffrir, elle a eu pitié de lui. Elle a dit, « Si cet homme allait à Samarie, si cet homme rentrer dans mon pays, le prophète les guérirait de sa lèpre. » Des fois, nous ne réalisons pas ce que nous sommes. Parce que le prophète et la Bible confirment que par un prophète, Israël fut gardé. Par un prophète, Israël fut conduit hors de l'Égypte. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas un problème. Quand le peuple avait une difficulté, il disait, Moïse, nous avons faim. Moïse, nous mourrons. Et Moïse allait vers Dieu. Le peuple que tu m'as donné. Et quand Dieu regardait Moïse, il disait, ton peuple, bien-aimé Jésus, le prophète, il a la responsabilité d'un âge. Il est le responsable de toute une génération. Bien-aimé Jésus, le prophète dit, le message, et le messager du temps de la fin, ils sont la solution aux problèmes du jour, du temps de la fin. La Bible dit, si nous pouvons avoir une foi comme un grain de sénévé, nous sommes capables de déplacer les montagnes. Et Branham est venu, il a dit, Dieu a rendu les choses tellement possibles au point que même le plus faible de tous les chrétiens est capable de vaincre Satan n'importe quand, n'importe où et dans n'importe quelle circonstance. Je le crois ce soir. Avec le message, la portion de Dieu, la colonne de feu, comme à la Pentecôte, je le crois ce soir, que ce soit le cancer, que ce soit le diabète, que ce soit n'importe quoi, au nom de Jésus, alléluia. Même le plus faible de tous les chrétiens, et supérieur à Satan. Bien-aimé Jésus, ce soir, il n'y a pas assez de démons en enfer qui puissent résister à la parole confirmée de l'âge. Nous sommes dans un âge de délivrance.
Quand les gens criaient pour être libérés, Jésus est venu devant cette maison d'enfer. Et il a regardé Branham et lui a dit, délivre ces gens. Et je crois que ce message, c'est une délivrance dans sa totalité. Et dans la joie, la présence d'un prophète, une délivrance. La présence de William Branham, une bénédiction. La présence de William Branham, une supériorité. La présence de William Branham, une satisfaction, Père. Parce qu'il est le prophète, le mandateur de Dieu, le canal pourvu, la voie pourvu par Dieu pour aujourd'hui. Si tu amènes les gens à te croire, je le crois ce soir. Alors je ne suis plus malade. Alors je ne suis plus pauvre. Alors je ne suis plus faible. Je ne suis plus incapable. Au nom de Jésus, merci. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la bonne santé. Merci pour toutes les choses. Lorsque l'honneur, la gloire, la puissance, la divinité, la gloire, nos félicités, te soient rendues au siècle des siècles. Bien-aimé Jésus, bénis ton serviteur par qui tu as parlé. Bénis aussi son église. Bénis tout ce qu'il a, ô Dieu, comme mission pour toi. Garde-le en bonne santé aussi. Bénis sa famille. Bénis son peuple que tu lui as donné la direction. Maintenant, ô Dieu, que nous étions entrés ici malades. Maintenant, là, nous sommes libres. Nous n'avions pas l'argent. Nous avons l'argent ce soir. Je crois que il n'y a point de stérile, il n'y a point de cancer. Reçois juste l'honneur, la gloire, la puissance de Jésus au siècle des siècles. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour la gloire de notre Dieu?